Good morning, Aliden. Et tu seras aujourd'hui le lundi matin. Moi, Yona ben Chana, Peggy bat Esther, Zara bat Mazal Tov, Shish Portish, Simon bat Leoni, Michael Novikov, Yaakov ben Aisha, et aussi le Fouat Ruth bat Claudine, Taina bet Orchar Chol Israël. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Shvuot, Perek Bet, Mishnah Gimel. Nitma ba Zara, Menelma, Mimenu, Tum'a, Vezachur et Amigdash. Neala, Mimenu, Migdash, Vezachur la Tum'a, Neala, Mimenu, Zebazé. Vishtachava, or Sheshaha, Birde Ishtachava, Balo Baruka, Chayav, Baktsara, Patur, Zo, Hi, Mitzvatase, Sheba Migdash, Shen Chayven Alea. Mishnah, avec un principe très simple, mais présenté de manière complexe, parce qu'en fait, le principe il est simple, mais quand on entre dans les détails, alors on se retrouve avec des halakhot qui sont un petit peu presque pas logiques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord présenter l'idée. Et la Mishnah l'a présenté de manière assez lourde en fait. Donc on va d'abord présenter l'idée, dégager les halakhot, et puis après on va les retrouver dans le texte, ça ira plus vite et ce sera plus clair, mes attachés. D'abord, jusqu'à maintenant, on a parlé de celui qui était impur et qui entre au Beth Amikdash alors qu'il est impur. Donc il est passible d'un korban, il transgresse la avera, une avera particulière, sur laquelle on est passible d'un korban khatat olev et yored. Un khatat assez particulier, comme ce qu'on a appris. On avait évoqué deux sortes d'erreurs, c'est-à-dire il doit nécessairement savoir qu'il a été impurifié, oublier, et après se souvenir, tout ça on l'apprenait longuement dans le premier Pérec, avec, quand on a dit oublier, c'est oublier quoi en fait, c'était le début du Pérec, on a commencé à mettre le zoom dessus, où on oublie soit que l'on est impur, et on se souvient qu'on sait qu'on entre au Beth Amikdash, mais on a oublié qu'on a touché un chéretz avant d'entrer, on a touché un reptile mort, ou bien le contraire, c'est que on sait qu'on a touché le reptile mort, mais on n'est pas en train de réaliser qu'on est déjà entré dans l'enceinte du Beth Amikdash ou même du Harabait. D'accord? C'est les deux cas de figure. On peut aussi tout oublier, qu'on a été impurifié, qu'on est aussi entré dans le Beth Amikdash. C'est aussi une autre éventualité. Dans tous ces cas-là, donc on est passible d'un korban, khatat, olev et yored. Jusqu'à maintenant, on a parlé de celui qui était impur avant d'entrer. Maintenant, dans notre Mishnah, on va parler de celui qui devient impur à l'intérieur du Beth Amikdash. Tout d'abord, qui peut se présenter fréquemment, un Sheretz, Achbar, Acholed, la Torah, elle a explicité Shmoneh Shratzim, un serpent mort dans le Harabait, ça peut exister, une souris morte, ouais, une souris qui est rentrée, je ne sais pas comment elle s'est retrouvée ici, elle est morte par terre maintenant, celui qui touche une souris devient impur, Tumat Shratzim, d'accord? Maintenant, à l'intérieur du Beth Amikdash, il a touché donc cette souris morte. Et alors, pour le moment, il n'est pas encore passible de Korban Khatat, parce que pour le moment, il n'a pas transgressé. L'interdit, c'est de rester en l'état, de rester impur à l'intérieur du Beth Amikdash. Il doit nécessairement se dépêcher de sortir. Si, avant de bouger, il commence à réfléchir, il laisse passer l'équivalent de 5-6 secondes, le temps de dire un certain pasouk qu'on expliquera ensuite. Donc on va dire que c'est 6 secondes, plus ou moins 5 secondes. S'il traîne 5-6 secondes comme ça, et seulement après il commence à sortir, il devra amener un korban khatat. Tu n'avais pas le droit de traîner, tu devais te dépêcher de sortir. Maintenant, si, dès que tu réalises que tu as été impurifié, tu prends la direction de la sortie, et tu sors sans arrêt, tu cours vite sortir, tu ne transgresses pas d'interdit, donc tu ne seras pas passible de korban. Mais attention, cas particulier, s'il a une porte à 15 mètres, et l'autre porte elle est à 25 mètres, et qui décide de sortir par la porte de 25 mètres, alors le simple fait d'avoir pris un chemin plus long fait qu'il est maintenant passible d'un korban khatat. Ça s'appelle que tu as traîné au Beth Amikdash. Tu avais la possibilité de sortir par le chemin le plus court, tu es sorti par le chemin le plus long. Grossièrement, j'aurais dit, tu avais la possibilité de sortir vite, par la porte, donc la porte proche, mais tu as préféré traîner pour sortir. Mais dire une affirmation pareille, c'est tout simplement faux. Parce que, qu'est-ce qui se passe maintenant? On a laissé un laps de temps de 5-6 secondes, le temps de sortir. Qu'est-ce qui se passe s'il a une porte à 25 mètres? Et qui, dès qu'il réalise qu'il a été impurifié, il tape un sprint, il court pour sortir, en 2 secondes il est déjà dehors. Mais il est par le chemin long. Et bien malgré tout, il sera passible d'un korban, khatat, il aura transgressé. Parce que ton devoir, c'était de sortir par la porte la plus courte. Mais alors attention, accrochez-vous, c'est là où ça devient un petit peu original. C'est que, si je prends la direction de la porte la plus courte, et j'évolue vers la porte la plus courte. Mais je mets 2 heures pour y arriver. Je marche pas à pas
je sais pas comment ça se dit, talons, orteils. Ouais, doucement, doucement, je marche doucement. Mais je fais que d'évoluer vers la porte la plus courte. Et je mets comme ça une demi-heure pour sortir. Et ben je ne serai pas passible d'un korban khatat. Parce que je n'ai pas cessé de me diriger vers la sortie. La bonne sortie vers laquelle je devais aller, c'est tout ce que j'ai fait. Je ne transgresse aucun issour. Ça veut dire, on va se retrouver dans un cas où finalement, si je sors en 2 secondes, mais par le chemin le plus long, je suis khaya korban khatat ou levé yored. Je transgresse, je devais prendre le chemin le plus court. Mais si je prends le chemin le plus court, je mets très longtemps pour y aller, mais je ne cesse d'évoluer. Ouais, chaque fois, un petit pas supplémentaire, un petit bout de pas, encore un petit talon orteil, comme ça, il avance jusqu'à la sortie. Et ben il a transgressé, il n'a pas transgressé de issour, il n'y a aucun problème, il n'est pas passé d'un korban khatat. Voilà pour l'idée générale de la Mishnah, avec quand même une petite notion importante. On va d'abord présenter la halakhot, c'est si idem encore. Donc, je reprends le cas classique où je réalise que j'étais impurifié et je traîne pour sortir, après je sors par la porte la plus courte, je suis passible d'un korban khatat parce que j'ai traîné 5-6 secondes. Il y a encore moyen d'écourter ce temps-là en même une seconde même et que je serai passible d'un korban khatat même si après je prends la sortie la plus courte. C'est laquelle ? C'est si je me prosterne à l'intérieur du Beit HaMikdash. Soit il y a le Echal devant moi, face à moi, à l'ouest, au Maharav, et avant de sortir, je réalise que je suis impur, je veux quand même finir ma tfila que j'étais en train de dire, ou je sais pas, et je me prosterne, et ben, parce que je me suis prosterné en direction, donc je suis maintenant passible du Korban Khatat, ça s'appelle que j'ai traîné. Soit, de manière générale, on pourrait poser un axiome comme ça, je dois me dépêcher de sortir, et je n'ai pas le droit de traîner. Maintenant, traîner, c'est assez vaste comme notion. Traîner, ça peut être traîner sans rien faire. Dans ce cas-là, on te laisse 6 secondes. 5-6 secondes. Traîner en faisant quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Soit te prosterner, continuer à faire une avoda. La Gemara, elle évoque le cas de celui qui... un Kohen qui va retourner sans impurifier, il va retourner un morceau de viande. Il fait une avoda, il fait un service, il fait quelque chose. Il sert Hachem alors qu'il est impur. En soi-même, même si ça prend 0 seconde, mieux que ça, pendant que tu es en train de marcher, tu te prosternes en direction du Echal. D'accord ? Il réalise qu'il était impurifié, il dit bon, je sors, il commence à avancer, mais il se prosterne comme ça. Ben, le simple fait de se prosterner, c'est en soi-même, ça impose de lui d'apporter un korban. Et avec aussi, par contre, se prosterner, c'est que dans la bonne direction. Mais si il décide de prendre il prend la porte qui est derrière lui, donc qui est la plus proche de lui, et pendant qu'il est en train de marcher, il se prosterne. Cette fois-ci, il est en train de se prosterner, mais dans la mauvaise direction. Alors dans ce cas-là, on va dire, non, tant que tu ne perds pas le temps de 5-6 secondes, eh ben, ça s'appelle que tu n'as pas traîné dans la Zara. D'accord ? Les principes sont relativement clairs. On n'a qu'à maintenant faire toute la première partie de la Mishnah, et puis quand on va arriver à la dernière phrase, on refera une deuxième pause. La Mishnah commence d'abord par nous présenter les 3 cas de shogeg, les cas d'erreur qu'il peut y avoir. Soit j'ai oublié que je suis impur, soit j'ai oublié que je suis au Beit HaMikdash, ou soit j'ai oublié les deux en même temps. Nitma ba'azara, il a été impurifié dans l'azara. Il a touché, par exemple, une souris morte. Venelma mimenutuma, mais une fois qu'il a touché, après, il a été impressionné par Dieu, il a complètement oublié qu'il a été impurifié. Donc maintenant, il est shogeg par une attention, une advertance. Vezachou Beit HaMikdash, mais il se souvient qu'il a interdit au Beit HaMikdash, donc il oublie qu'il est tamé. Ou encore, il se souvient qu'il est au Beit HaMikdash. Il oublie qu'il est au Beit HaMikdash. Mais il se souvient qu'il a été impurifié. Il a été un peu troublé comme ça. Ou encore, ou il a tout simplement oublié à la fois qu'il a été impurifié et qu'il est au Beit HaMikdash. Pour le moment, il n'y a rien de très grave, étant donné qu'il a été impurifié à l'intérieur du Beit HaMikdash. Mais alors là, Vehishtachava, et il s'est prosterné dans la bonne direction, même s'il n'a pas perdu de temps. Ou encore, Osheshaha, donc j'ai rajouté Ishtachava dans la bonne direction. Osheshaha birde Ishtachava, il a patienté, Nishot, patienté, Sheiya. Donc il a patienté le temps de se prosterner. Soit il s'est prosterné dans la bonne direction, soit il ne s'est pas du tout prosterné même. D'accord ? Donc, 2 cas de figure pour le moment qu'il a transgressé. Soit il s'est prosterné dans la même direction, soit il a traîné avant de sortir. Ou encore, Balobaruka, il a tapé un sprint
jusqu'à la bonne sortie, mais par le chemin, jusqu'à la mauvaise sortie, en rallongeant le chemin. Et dans ce cas-là, même s'il n'a pas perdu de temps du tout. D'accord ? Chayav, dans tous ces cas-là, il sera chayav, coupable, donc il devra apporter un korban au Levé Yored parce qu'il a transgressé par erreur. Par contre, Baktara, s'il est venu par le chemin court, soit il a réalisé qu'il a été impurifié, il a dit bon, je garde mon sang-froid, je me dirige vers la sortie. Et il ne cesse de marcher sans arrêt, même à petits pas. D'accord ? Et bien malgré tout, Patour, il sera dispensé de korban. Ok ? D'où on apprend ces 5-6 secondes-là, alors le Bartenora va nous l'enseigner. Il y a un pasouk, le temps de dire un certain pasouk qui se trouve dans Divrei Hayamim, celle-ci ça nous intéresse, on n'a qu'à le dire, Vaichreou, Apaim, Arza, Laritzpa, Vaishtachavou, Lodot, Lachem, Kitov, Kilolam, Chazo. Le temps de dire ce verset, si ça vous prend 5 secondes, 6 secondes, ben c'est le temps requis pour considérer qu'il a traîné pour sortir. Voilà l'essentiel de la Mishnah. Il reste maintenant une petite phrase de la Mishnah. Ce qu'on va faire, c'est de faire tout de suite le Bartenora, le traduire, et puis après, on va expliquer le principe de la Mishnah de la fin, qu'on va juste introduire de manière rapide, et puis dans la prochaine Mishnah, on le reprendra, parce qu'il sera plus développé dans une autre direction. D'accord ? On fait tout de suite le Bartenora. Donc, Nitma Ba'azara, il a été impurifié à l'intérieur de l'Azara, dans l'enceinte du Beit HaMikdash. Ve'yadash Nitma, bien sûr, il a su qu'il a été impurifié. Parce que pour pouvoir être passible de ce korban, il faut nécessairement savoir et oublier, comme ce qu'on a appris au moment. Et après qu'il a su, il a oublié, et il s'est prosterné, dans cette erreur, dans la direction interne, intérieure, même si ça ne lui a pas pris de temps du tout, il n'a pas du tout patienté. On a dit, Shriya a patienté. Oh, Ishtachava klapechutsu encore, il s'est prosterné vers l'extérieur, Vehu deshaha kede Ishtachava. Mais là, si tu te prosternes vers l'extérieur, tu dois nécessairement patienter le temps requis pour te prosterner. Et dans ce cas-là, tu n'as même plus besoin de te prosterner parce que le sang te fait traîner, ça t'impose d'apporter un korban. D'accord ? C'est plus précis dans le Bartenora. C'est pour apporter dans le Tivrei Israël, je crois même dans le studio. Ensuite. Veshiur Ishtachavaya, d'où on apprend ce temps, quelle est cette quantité de temps requise pour se prosterner? Ou Kedei Sheikra Adam Pasukze Beishuv, le temps nécessaire pour qu'un homme lise ce pasuk calmement. Vaichreu Apaim Arza Alaritzpa, ils se prosternèrent la face vers la terre. Ouais, Apaim Arza, en direction de la terre. À la rizpa, sur le sol, soit ils sont mis par terre et se prosterner. On se prosternait comme ce qu'ils font les Arabes aujourd'hui, non, on se prosternait comme ça au Beit HaMikdash, comme on le fait à Yom Kippour encore, en souvenir de quand on se prosternait au Beit HaMikdash. Vaishtachavu l'odot l'Hashem, et ils se prosternèrent pour remercier Hashem, Kitov, qui est bon, Kilolam Chazdo, car toujours et sa bienveillance sur nous, enfin. Vu pasuk bidivra yamim, c'est un pasuk dans les divra yamim. Ok? Le temps de dire ce pasuk, Vaichreu apaim arza al aritzpa, Vaishtachavu le hodot l'Hashem ki tov, ki le olam chazdo. Ouais, je l'ai dit calmement. Et ben voilà, le temps que ça prend, c'est le temps pour lequel on est passible sur la Ishtachava, sur la Sheia, le fait de traîner au Beit HaMikdash. Ensuite, on avait vu que Balo Baruka, ou encore il est venu par le long chemin. Sheyatza lo derech Baruka, il est sorti par le chemin le plus long. Sheyesh ktsara mimenu latzet, il avait un chemin plus court pour sortir. Et même s'il n'a pas du tout traîné pour sortir, malgré tout, Chayav, il sera passible d'un korban, d'apporter le korban Khatat, Oleveyorod. Au Biktsara, par contre, s'il est sorti par le chemin court, Patour, il sera dispensé. Et Chadelo Ishtachava, dans le cas où bien sûr il ne s'est pas prosterné, Velo Shaha, il n'a pas patienté du tout, même entre deux pas, parce que s'il patiente entre deux pas, alors. Ça a porté dans le Tiferet Israël ici, on la Gemara, que si après chaque pas il patiente une seconde, et eh ben, une fois que tu auras fait 6, 8 pas, tu auras laissé là-bas, quand on va prendre les petits bouts, des fois, le nombre de fois où tu as patienté, et qu'on va ensuite les racoler, on va se retrouver que tu as traîné les 6 secondes, donc tu seras passible d'un korban khatat. D'accord ? Ça a porté dans le Tiferet Israël, même dans le 2e octobre, je crois. Ensuite. Ah. Veyatza le Dorak, ça va pas trop. Maintenant, dernière partie de la Mishnah. Alors, dernière partie de la Mishnah, on va parler d'un sujet qui concerne
le korban ici, mais avec, on va plutôt parler dans Maserhet Horayot. La dernière Maserhet du sept derniers Zekin, c'est Maserhet Horayot. Horayot, c'est un principe général. On va voir qu'est-ce qui se passe lorsque le Bet Din ordonne, c'est-à-dire donne une permission de faire une chose, alors que cette chose-là, elle est interdite par la Torah. Et il se trompe, le Bet Din se trompe, en permettant quelque chose que la Torah l'interdisait avec un chiouf karet et khatat, par exemple. Cas fréquent, enfin, qui pourrait être fréquent, il y a les graisses interdites dans les animaux. Il y a des graisses interdites dans les vaches, des graisses interdites, le khelev, ils sont khelev, et il y a d'autres parties qui s'appellent le shuman, des graisses permises. Et le Bet Din s'est trompé et a dit non, cette partie-là du khelev, ce qui se trouve à cet endroit-là, c'est pas du khelev, c'est du shuman, c'est permis. Regardez, si on mangeait cette graisse, on serait passible d'un korban, on serait passible bémézide d'un chiouf karet, béchogeg d'un korban khatat. Si le Bet Din Agadol, le grand Sanhedrin de Yerushalayim, se trompe et dit à tout le peuple, c'est permis de manger ça, et la majorité du peuple mange grâce à la permission du Bet Din, et qu'après on réalise l'erreur, qu'on a été trompé, le Bet Din réalise son erreur par exemple, et ben on sera passible. On ne sera pas passible d'apporter un korban khatat individuel, mais d'apporter un korban khatat public, avec un par helem davar shel tzibur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce korban, d'apporter un par, un taureau, helem davar shel tzibur, quand il y a une erreur pour tout le tzibur, par la faute du Bet Din. D'accord ? Eh bien, il faut savoir, alors la Mishnah maintenant, elle va nous dire, sache que si le Bet Din se trompe en ordonnant une erreur sur la manière de sortir lorsqu'on a été impurifié dans le Bet Hamikdash, par exemple. Lorsque je suis devenu impur au Bet Hamikdash, j'ai un devoir de sortir, moi, à titre individuel. Si je me trompe, alors je suis passible d'amener un korban khatat. Si je me trompe à cause du Bet Din, mais la majorité du Ham Israël se trompe à cause du Bet Din. En théorie, on aurait pu croire que c'est une avéra sur laquelle il y a un chiouf karet, beshogeg, un korban khatat. Alors dans un cas pareil, on aurait pu croire qu'on apportera un par élève d'Avar Shel Tzibur. Et bien la Mishnah enseigne que non, on n'est pas khayal d'amener un par élève d'Avar Shel Tzibur, d'amener ce korban public, plus général, mais que chacun individuellement devra apporter son korban khatat ou levé yored. Et c'est ce que la Mishnah nous dit, « Zoï mitzvat asé sheba migdash shen chayavin ela » Telle est la mitzvat asé qui se passe dans le Bet Hamikdash. Pourquoi une mitzvat asé? Parce qu'il y a un devoir au Bet Din, « Vaishen hu min amachane kol tzorah v'chol zan v'chol tamen nefesh » Il faudra renvoyer, c'est dans Parashat, Be'alotra, Nasso, quelque chose comme ça. Ouais, la Torah, je sais, Nasso, logiquement c'est Nasso. Il faudra renvoyer du camp tout tsaroua, tout homme qui a une tsarat, zav, tamé, on apprend là-bas plusieurs niveaux de halachot, et on doit être chassé du camp, en l'occurrence, lorsqu'on est devenu tamé dans la Hazara, on doit sortir à cause de cette mise à tasser. Si on s'est trompé à cause du Bet Din, alors on est. Le Bartonoram dit comme ça. Zoï mizat assez chez Bamigdash. Telle est la mizat assez du Bet Hamikdash. Deyeshkan vaishen chomin amachane kol tamé. Qu'il faudra envoyer du camp tout homme tamé. She'en chayavin aleya. Que l'on n'est pas passible d'un korban par elem d'avar shel tzibur. Bet Din par elem d'avar. Le Bet Din ne devra pas apporter un korban de par elem d'avar shel tzibur. D'accord. Ce fameux korban qui a un khatat public. Que si le Bet Din s'est trompé et a ordonné cette mitzvah, cette erreur, et lui ont ordonné de sortir par le long chemin. Alors par exemple, il y avait un petit embouteillage, ça traînait pour sortir par le chemin le plus court, et le Bet Din a dit dans cette situation, sortez plutôt très rapidement par le chemin le plus long. Et c'était une erreur, bien sûr. Donc ils se sont trompés en prescrivant une halakha qui a induit tout le monde en erreur en transgressant une grave avéra. Malgré tout, on n'apportera pas sur cette erreur un par elem d'avar shel tzibur, donc d'apporter ce taureau khatat par le fait que tout le public s'est trompé. D'accord ? Ça a un statut particulier, donc il faudra l'apporter à titre individuel de chacun. Et dans la prochaine Mishnah, juste je vais l'introduire, on parlera cette fois-ci d'une autre mitzvah tassé, où on sera passible d'amener un par elem d'avar shel tzibur. Pour le moment, on s'arrête là. Je vous souhaite une journée pleine de la Sakha, comme tout, c'est là.